Stromae de retour. Après ses soucis de santé, il prend la parole et annonce une grande nouvelle. Après avoir annulé sa tournée pour des raisons de santé il y a un an, Stromae a décidé de prendre la parole sur X, anciennement Twitter, ce mardi 10 septembre. Le chanteur est en train de préparer une belle surprise à ses fans. Il a toujours fait passer sa santé mentale en premier et s'était même exprimé sur le sujet, dans le 20h de TF1, devant des millions de téléspectateurs. Une séquence qui avait fait le buzz. Mais en mai 2023, les vieux démons de Stromae sont revenus de hanter. À cette époque, le chanteur annonce devoir annuler sa tournée, intitulée Multitude, pour des raisons médicales, encore fragilisé par le brun hard qui l'a frappé en 2015. Mais ce mardi 10 septembre, l'interprète d'Alors on danse a donné de ses nouvelles après un an de silence. Cela fait un moment que je n'ai pas partagé de nouvelles avec vous tous, écrit Stromae sur son compte X, anciennement Twitter. Avant tout, et du fond du cœur, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien constant. Le chanteur explique avoir été très touché par le soutien qu'il a reçu de la part de ses fans depuis qu'il a annoncé l'annulation des dernières dates de sa tournée. Je sais que cela a été une déception pour certains, et j'espérais terminer l'incroyable voyage qu'a été Multitude sur une note plus positive, ajoute-t-il. Pour remédier à ça, l'artiste a préparé une belle surprise à ses fans en décidant de réaliser un film de son spectacle. Mon équipe et moi-même avons soigneusement entrepris le long processus de collecte et de montage de tout le matériel visuel disponible lié au spectacle en live pour en faire un film, explique Stromae. Je veux vous donner l'opportunité d'apprécier librement la performance pour la première fois, ou de la revivre. Pour le moment, il ne donne pas plus de détails, mais explique que plus d'informations devraient être communiquées prochainement. Stromae. Cette distinction honorifique que lui a remis le roi Philippe de Belgique. Lors de la fête nationale belge, qui a eu lieu le 21 juillet dernier, Stromae a reçu une belle décoration de la part du roi Philippe de Belgique. En effet, l'époux de la reine Mathilde a élevé le chanteur au grade de commandeur de l'Ordre de la Couronne. Selon le ministère des Affaires étrangères, qui est responsable de l'octroi des distinctions des ordres nationaux, l'Ordre de la Couronne est octroyé en raison de mérites artistiques, littéraires, scientifiques, dans la sphère des intérêts commerciaux et industriels ou pour des services rendus au pays, indique Histoire royale. Une belle consécration pour l'artiste qui fait résonner la culture belge à l'international depuis plusieurs années.